et à toutes, c'est Tom officiel. On se retrouve ce soir, 22h30, pour une nouvelle vidéo, les gars, sur est-ce que toute la vérité sur ma Tale King Angela. Donc les gars, je vous préviens tout de suite, âme sensible, s'abstenir sur cette vidéo. Ça va être quelque chose, vous verrez bien de vous-même. Alors, tout commence par une simple application pour les enfants. Un chat qui répète avec une voix aiguë ce qu'on dit. Tout ça est normal. Tac. Jusqu'au jour, ça continuait très bien, le développement de l'application, jusqu'au jour où un Américain, en 2014, le 20 juillet, a fait une vidéo où il parlait à Tale King Angela à 3h du matin. Et il s'était passé des choses très très bizarres. Je vais vous raconter l'histoire de cet homme. Du coup les gars, je vous raconte tout de suite l'histoire de cet homme. C'était un mec 18 ans qui allait à la fac. Il était là chez lui, il se posait, il s'ennuyait l'après-midi. Il était parti. Il a dit, oh, on va aller dans un bar. Alors il marche dans la rue, il va jusqu'au bar, il rentre dans ce bar, il boit un café, il repart chez lui. Et avec une amie, ils avaient un délire, jouer à ce jeu. Tale King Angela. Voilà pourquoi faudrait plus y jouer. Et il me parlait, il parlait à Tale King Angela. Jusqu'à qu'il, le soir, après il s'est amusé dans son lit à parler à Tale King Angela. Et c'est là que le pire arriva. Il papote, bonjour, ça répond, comment vas-tu? Et là ça répondait plus. Ça ne répondait à plus à rien. Rien du tout. Enfin, ça répétait plus rien. Et jusqu'au moment où il pose la question, quelle heure est-il? Et là, ça répond, 3h. Qu'est-ce qu'il fait? Il éteint son téléphone, il le rallume, son pote l'appelle. Ouais, fais-le, tu seras quelqu'un de connu, tu seras un thug. Il l'a fait, et il s'est fait agresser. Donc voilà les gars, c'était Tom officiel. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker et à commenter. Ça ferait énormément plaisir. Bonne soirée à tous. Salut.